Yeah, man. Alors salut tout le monde, bande de petits kebabs, c'est XKZX8. Alors comment t'allez? Bah écoutez, bah moi je vais super bien. Et aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude sur Fait 14 pour la partie 7 de notre kebab. Donc mais là on affronte du très gros lourd, du très lourd. Manchester United en coupe, quart de finale. On joue la gagne. Je sais que je suis très optimiste pour ce match. En plus à Old Trafford, alors ça va faire du bien de quand même de voir Kebab à Old Trafford. Voir tous ces joueurs de 4ème division et bim dans un putain de stade Old Trafford. Leur stade à Accrington qui font qui est 100 fois plus petit qu'Old Trafford. Là Old Trafford il est au moins 100 fois plus grand que leur stade. Là t'as les cris de partout qu'ils ont jamais vu ça. Et bah ça va peut-être leur faire peur. Et moi, j'espère juste leur mettre une bonne raclée. Et sur les précédents matchs que j'ai fait gaffe à la défense et tout. Donc je pense que notre équipe va tenir la route. Donc cette partie 7 sera composée que d'un match face à cette équipe. Donc déjà, on a vu Ashley Young. Donc je pense pas qu'il a fait jouer à grosse équipe. Hein. Il y a l'une de garde, Carrick. Ça va encore. Welbeck, c'est chaud. Tagawa. Mais après, je ne sais pas. C'est des petits jeunes, je pense. Hein. Ça doit être pas des gros. Je sais, il y a Ashley Young, je viens de le voir. Je pense qu'il a Valencia. J'espère pas. Carrick, ça va encore, tu vois. Carrick, c'est prenable. Le roux, ça doit être poche, quoi, plus. Ah non, c'est Fletcher. Ça va. Fletcher, Carrick, ça va le milieu. Alors, Raphaël Evans, Malin, Butner, Welbeck, Young, Valencia, Fletcher. Ça va. Ça va, ça va. Tant qu'ils ont pas mis. Moyenne roulée. C'est prenable. Allez, les gars. Juste un peu. Je vais baisser le son de mon jeu. Parce que là, c'était un peu abusé. Voilà. Allez, on essaie de se concentrer. Faut qu'il arrête. Voilà. Hop. Hop. Oui, là, je vais beaucoup parler parce que c'est vraiment un match extrêmement important. Allez, bim, transversal. C'est bien tenté. Faut pas perdre beaucoup de ballons ici. Hein. Parce que là, les contre-attaques à Manchester United, ça va aller très vite. Allez, devant. Ouais, c'était bien joué. C'était bien joué, il faut faire attention. Attention pour Kagawa. Bien joué la défense, très très bien joué, impeccable. Allez Mingoya. Et hop. Ouais, c'est quand même de tenir 90 minutes à faire 0-0. Vraiment, j'aimerais bien faire ça, tu vois. Ah, mais non, mais y a pas hors-jeu, monsieur l'arbitre. Oh putain, mais limite, hein. Allez, 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 hop, voilà. Ah, il faut trouver Kebab, là. Allez, Kebab. Oh, putain, Kebab, là, il est pas chaud pendant 12 minutes, là. Et là, on va dire, il est plus impressionné que les joueurs de Manchester United que son match, là. Allez. Bien joué, Kebab. Alors, on va essayer de faire un petit crochet. Et là, tu tires. Putain, la frappe qu'on a mise... Je comprends pas pourquoi, comment il a arrêté. Allez, 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 allez. Bim. On joue sur le côté. Bim, on a encore Kebab. Allez, encore Kebab, frappe. Continue. Putain. Ligne de garde, quoi, il est chaud, hein. Alors là, ok, mais là, vraiment, personne. Il a mais la parade, quoi. Allez, on continue comme ça, les gars, faut les faire peur.
La tête. Allez, kebab. Essaye de l'avoir, il y a possibilité. C'est mort, attendez. J'ai un petit bug d'orgie. Voilà, c'est bon. Allez, faut essayer. Voilà, c'est ça. C'est pas grave, les gars. Là, vraiment, on les fait douter. C'est ça qui est bon. Bien joué, belle récup. Ah non, j'allais dire belle récupération, mais c'est mort. Hors jeu. Eh, c'était pas hors jeu, elle était à l'intérieur. Vraiment, on se méfie de cette équipe. Ah, quand même, 4 divisions, 4 divisions de différence, quand même. Hein. Ça, c'est sûr qu'il faut se méfier. Allez, là. Voilà, on fait la faute. Faut jouer physique. Tu vois, faut les faire peur. Voilà, belle tête à les kebabs. Boum. Allez, kebab. Putain, pas grave. Faire attention quand même. Bien joué, kebab. Allez, devant. Devant. Non, c'est très très bien joué, ça. Ça aussi, c'est bien joué. Allez, gros centre là. Ah, c'était. Ah, vraiment, là, on pèse le jeu. Vraiment, on apaise hein, vraiment un très très gros jeu. Mais là, il doit se méfier parce que, sincèrement, là, je suis content de mon équipe là. James Beatty. Allez, centre. Kebab. Ah, kebab. Ouf. C'était bien joué. Allez, rien. Bim, la tête. Non. Allez. On va bouger un peu derrière. Il n'y a que cette possibilité. Ah, bien sauvé, mais bon, pas grave. Allez. Faut les percuter là. Attention quand même. À Valencia, hein. Ce sont des joueurs super rapides. C'est pas grave, les gars. Il nous a bien eu. Pas grave, les gars. On peut remonter ça. Mon ami, je sais pas combien de tirs. On peut le faire. Je dis sincèrement. Elle me fait pas peur, cette Manchester, cette équipe. Il y a moyen de la faire mal. Mais là, s'ils mettent deux buts là, ça serait foutu. Il y a moyen. Tout ce qu'on a fait en 45 minutes, ils l'ont même pas fait. Et j'aimerais voir les stats. J'aimerais bien voir les stats. Hein. Un tir pour eux, peut-être. Je sais pas comment on peut voir les stats, mais c'est vraiment dégueulasse. Les intentions de l'entraîneur sont mais attends, il fait sortir kebab quoi. Attends, c'est mes plus gros matchs de cette saison. Mais il me fait sortir. Bon, c'est pas grave, les gars. On est tous quand même, on est tous à 11 là. On est soudés pour gagner. Au moins faire un but quoi. Ça serait bien ça. Il est tout seul, les gars. Allez, faut poser le jeu là, sur les côtés. Déjà, la seule possibilité, c'est quoi? C'est de centrer. Là, on est d'accord sur ce point. Face à Manchester United, tu peux pas percuter en attaque. Tu peux pas aller tout droit en défense, quoi. Percuter la défense face à ces grosses tailles, c'est vraiment le jeu aérien qu'on peut faire, quoi. Les centres, ça c'est bon, ça. Il y a que ça à faire. Allez, centre. Ah, si c'est contré, on est un peu dans la merde. Voilà. Ah, il sort.
Il y a des joueurs de Manchester United qui vont essayer de s'appliquer. Cette touche est bien placée. Dis-moi pas qu'il va faire rentrer Rooney, hein. Apparition de Robin Van Persie. C'est pareil. C'est pareil. C'est le même gabarit, hein. T'as vu comment il s'amuse sur dans la surface? C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, quoi. Le gardien ne fait rien. Bon, là, c'est sûr qu'on a perdu. Hein, on va pas se poser des questions. On a pas une équipe qui est ailleurs. Loin de là. Elle est vraiment là. C'est sûr, elle est présente. À Clinton, elle est présente. Mais quand on a un budget de 80 millions en face, c'est en première ligue, tu peux rien faire pour l'instant. Swansea, ça c'était possible, c'est sûr. Mais voilà, là face à Manchester United, tu peux pas. C'est comme si tu mets, je sais pas, ma ville. Non, allez, on va dire un exemple, je sais pas. Aucune idée. Une équipe de CFA2 face à Paris Saint-Germain qui mettent les stars Ibra, Cavani, voilà, bah c'est pareil, là tu peux pas, tu ne peux pas gagner, t'as aucune chance. Première mi-temps on avait de la chance de finaliser ses frappes, ses têtes, mais elle a pas pu faire ça. C'est ça que je regrette. Parce que bon, là, les centres que je fais, c'est toujours contré. Faut dire, ils sont vraiment très très bons, je sur les tides. Mais, sincèrement, ils méritaient pas de gagner. Parce que ce qu'on a fait quand même, ce qu'on a fait en 90, bon, ce qu'on fait en train de faire en 75 minutes, jamais fait ça avec un Clinton. Ah, faut que je sois bien clair. J'ai jamais fait ça. Vraiment, je me suis mis à fond pour gagner. Ah, finalement, voilà quoi, c'est la vie quoi, on perd. Mais au moins, on reviendra sur nos erreurs, ce qu'on a pu faire. Surtout les erreurs de gardien. Et surtout la défense qui se laisse faire, qui regarde les stars. La prochaine fois, les défenseurs, il faut aller. Faut attaquer. Ça, c'est ça le truc, il faut attaquer. Allez, peut-être sauver l'honneur, on va peut-être pas sauver l'honneur, mais 2-1 quoi, ça ferait déjà du bien. Alors, tu vois, on peut plus. Les joueurs là, ils sont cramés. Les pros, ils peuvent jouer 90 minutes, mais nous, à partir de la 75e, c'est mort. On est tous cramés. On est tous cramés là. Tu ne peux plus. Ouais, tu peux plus rien faire. Hein. Soit peut-être la transversale. T'as vu? Déjà, quand tu vois la barre de forme de Hatfield, tu te dis, c'est foutu. On avait vraiment une belle équipe. Je disqualifie en quart de finale, c'est quand même un exploit. Je regrette pas. On a fait des belles choses. Ça, on a fait de belles choses. En quart de finale, quand même, on a en 8e, on a quand même combattu un gros combat contre Swansea où tu rebutes. 2-0 quand même, c'est pas beaucoup. Sincèrement, c'est pas beaucoup. Voilà. Moi, vraiment, je vous dis sincèrement. On méritait peut-être d'arracher une nulle. Parce que bon, on a fait beaucoup de choses. Donc déjà, la lourde frappe de Kebab, je comprends pas pourquoi il a arrêté. Donc voilà, on est égal de tir. On a quand même su faire la concurrence en possession. On a fait vraiment deux. Faut le dire sincèrement. On a fait de belles choses. Voilà. Mais bon, c'est la vie. Donc voilà, on est qualifié en 8e. Donc après, il y a que Hull City. Hull City et ouais, c'est la seule équipe qui est inférieure à la Barclays. Il y a Bolton aussi, mais après c'est tout. Mais après, imaginez-vous qu'on n'a pas joué contre Hull City ou quoi, parce que bon, on aurait pu gagner. Et après, imaginez, on aurait tombé contre Southampton, on aurait gagné, on aurait passé en demi-finale. Là, peut-être une surprise de Sunderland ou quoi, on aurait bien avancé. C'est ça le truc, en fait, on est tombé trop difficilement face à un gros gabarit en 8e de finale. Parce que bon, ok, on aurait petit à petit Hull City, Southampton, Sunderland,
Et après, Manchester United ou Chelsea, bah déjà si on a gagné face à Sunderland, on aurait eu, comment te dire, déjà les trucs à ne pas faire. Oh, le gros bug là qui est bab en plein milieu. Ah voilà. Mais bon, c'est pas grave, être disqualifié en quart de finale, c'est très bien. Pour un club de 4ème division. Il y avait quand même 32ème, 16ème, 8ème, quart. On a passé quand même ces 4 tours. Hein. Pour moi, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très très bien. Alors donc nous, on va se retrouver pour la partie 8. Face à... Bon, je sais pas. Hein, donc on verra ça. On va se retrouver en coupe. Donc celle-ci, non, pas celle-ci, celle-ci en FA Cup. Donc là vraiment on a moyen. La FA Cup, ça a l'air facile. Mais je pense après tous ces matchs, on affronte les grosses équipes. Donc faut se méfier. Et après, bon, ça sera ces deux matchs de coupe en vidéo. Donc là aussi, hein, c'est J-Pain Trophy, je sais pas comment, je sais pas si tu sais quoi. Mais je pense, après ce tour-là, on jouera contre les équipes de BPL, je pense, hein, je suis pas sûr. Bref. En janvier, je pars pas. J'ai essayé de pas partir, parce que bon, j'ai envie de faire ma trace, donc je pense que je vais rester. Je vais aider à monter cette équipe, et peut-être Land Power Champ 1. Peut-être rester. On verra selon les offres. Parce que moi j'ai envie d'aller dans un petit club de Ligue 1. Genre Lorient, Bastia ou quoi. Je vous ai déjà dit. Et moi j'ai envie de signer à Bastia. Moi j'ai vraiment envie de partir à Bastia. Bastia ou Guingamp. Donc on verra ça. Donc écoutez, bah c'était un plaisir de faire cette vidéo. Hein. J'ai une courte vidéo parce que ouais, c'était un match important. Un des plus gros matchs de ma partie, j'espère. Voilà, Manchester United. C'est normal qu'ils gagnent. C'est trop optimiste, hein. Et voilà, pour moi, je méritais de gagner quand même. Mais bon, c'est pas grave, on garde la forme, bande de petits kebabs. C'était XXX8, hein. Toujours la forme, même si on perd, même dans la défaite. Hop, easy money. Yeah, man. Allez, salut tout le monde, les gars. C'était XXX8. Allez, bye bye.